Yo les gars, c'est Kenny, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, pour vous présenter notre premier tournoi d'Edit avec Scrox. Alors Scrox va faire sa vidéo de son côté, moi je vais la faire de mon côté. Je veux tout vous expliquer en détail, ça va être un combat de communauté. C'est un nouveau concept qu'on a tous les deux inventé, ça sera la communauté de moi-même contre la communauté de Scrox. Voilà, on va gagner les gars, c'est sûr. Du coup, c'est une première édition les gars. Il n'y a aucun cash prize pour la première édition. Il y aura des récompenses, je vais vous expliquer ça juste après. Et justement, pour la deuxième édition, il y aura un cash prize. Voilà, pour nos deux chaînes YouTube. Ça sera notre nombre de soutiens créateurs divisé par 10. C'est-à-dire qu'en gros, si on a 10 soutiens dans la boutique, 1 euro à gagner. 100 soutiens, 10 euros à gagner. 1000 soutiens, 100 euros à gagner. Etc. Enfin bref, du coup les 3 premiers du tournoi se verront avantagés par un accès anticipé à la map de l'édition 2. Ok? En gros, les personnes qui gagneront les 3 premiers de cette map à la fin du mois. À la fin du coup je fixerai la date, je mettrai ça dans la description, la date de fin du coup du tournoi. Ces personnes-là remporteront un accès anticipé. Le premier remportera 3 jours d'accès anticipé. On lui donnera le code 3 jours à l'avance. Le deuxième, on lui donnera 2 jours à l'avance. Et le troisième, un jour à l'avance. C'est pas mal bien parce que au moins vous pouvez déjà vous faire à la map. C'est pour ça qu'il faut participer à la première édition pour essayer de gagner à la deuxième. Je pense que le premier sera sacrément attaché par rapport aux personnes qui n'ont pas fini sur le podium de la première édition. Alors pour upload sur YouTube, c'est hashtag SK Tournament. Il sera dans la description. Je mettrai tout sans faute d'orthographe dans la description. Plus Kenexus Crox pour savoir de quelle communauté vous venez, voilà. Si une communauté perd, le youtubeur perdant devra faire une pub à l'autre. Alors ça sera à la fin du tournoi. Je pense une semaine après, le youtubeur en question qui aura perdu devra faire une pub à l'autre. Ça permet de faire un petit gage, on n'avait pas trop d'idées. Si vous avez plus d'idées que ça, vous pouvez débattre dans les commentaires et me proposer des idées, ainsi que sur la chaîne de Scrox, allez lui proposer des idées. Ça peut toujours nous faire plaisir et... Et pourquoi pas les mettre en action, justement ces idées pour l'édition 2. Écoutez, je pense qu'on va partir sur la map. Je vais la lancer, voilà, on est parti. Voilà, vous activez le chrono, là c'est des leads simples, je fais ça doucement pour vous. Leads simples, voilà, c'est que de l'édite simple. Ça change un petit peu des autres maps édites, voilà, hop, pas trop non plus. On édite, voilà. Après on arrive ici. Exercice basique. Si j'y arrive les gars. Hop. Ah, le matin j'ai du mal quand même. Hein. C'est une vidéo présentation les gars. Je suis pas là pour faire le world record. Là, hyper important, on modifie pas la pyramide. Vous pouvez la modifier, la reset, mais il faut bien la reset. Si imaginons vous la modifiez comme ça, vous passez sur le côté, ça marche pas. Faut qu'elle soit obligatoirement reset. Après là c'est de l'hélice normale, comme ça. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Là, shotgun. C'est un exercice que j'ai créé tout seul. C'est ça, hop, on referme. Hyper important, on referme le toit. Si le toit est pas refermé, les gars. Si le toit est pas refermé, les gars, ça ne compte pas. Ça compte pour une erreur et vous avez droit à une erreur max au parcours, ok? Là, plus de shotgun. On arrive, edit dans l'autre sens. Je me suis fail, hop, voilà. Je vais y arriver quand même les gars. Hop, voilà, il est dans l'autre sens. Là, 3,90 d'un côté. Nickel. 3,90. Là on est collé au mur, du coup faut pas être déstabilisé par le mur. Et hop, on arrive ici. Là, exercice avec fusil d'infanterie ou bien les deux carabines. C'est vous qui décidez. On détruit le bot, on réinitialise. Je sais pas vous de réinitialiser ce mur là. Hop, on tue le bot, on réinitialise. On tue le bot, on réinitialise. Ah si c'était hier. Et ça, on le fait jusqu'au bout. Voilà. Après, descendre tout ce qui est plus classique. Voilà, descente. Mon escalier, je me suis fail. Hop, c'est bon, nickel. On essaye de pas perdre trop d'HP, les gars. On peut se boost. Après, on a le sniper. On a mis un semi-auto car c'est beaucoup plus simple. Vous trompez pas ici, c'est pas à droite qu'il faut viser mais c'est bien en face.
Vous n'êtes pas obligé de réinitialiser les murs ici. Voilà. Là, on édite. Ah. Une balle. Là. Obligatoirement, on lui met un headshot. Sinon, il n'est pas one shot ce bot là. Du coup, faites bien gaffe de lui mettre bien un headshot. Puis, regardez, je vais vous faire un exemple après là. Le dernier bot. Hop, voilà. Je vais faire un exemple sur le dernier bot. Si on lui tire dans l'épaule, regardez, il prend 78. Obligatoirement dans la tête. Et on réédite, ok. Je l'ai eu, hop, je crois que je l'avais pas eu. Là, c'est de l'édit assez corsé. On prend comme ça, on réédite. Là, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous éditez la permis, vous êtes dedans, vous réinitialisez, vous faites comme ça, ok. Si vous le faites pas correctement, ce sera pas pris en compte, ok. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Et hop. Je pense que moi, mon record personnellement, c'est 6-17. Je pense que vous pouvez faire mieux. Je pense que c'est largement faisable. Un 7-40, voire un 7-50. Je vais vous laisser là, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner et mettre le code créateur Yokai-6 Kenix. Et écoutez, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Scrox, il aura fait une vidéo identique à la mienne. Et n'hésitez pas à tenter votre chance sur le parcours d'élite. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.